présenter? Nicolas Costuge, je suis infirmier de formation et depuis Saptiquette, j'ai eu l'opportunité d'évoluer au sein de l'informatique du CHU de Lille, donc au niveau du DRN. Donc Saptiquette, c'est un projet qui a 10 ans, qui avait été donc développé sur le pôle de réanimation médicale. Ça permet tout simplement, grâce à un logiciel informatique, d'éditer des étiquettes qu'on vient coller sur les seringues autopulsées des patients et éventuellement des perfusions diverses d'antibiotiques par exemple, et qui permet d'avoir une étiquette qui est totalement conforme aux exigences de l'HAS et donc de l'établissement. Donc suite au concours de sécurité, Saptiquette a été déployée dans deux secteurs supplémentaires et donc est toujours utilisée aujourd'hui, donc ça fait maintenant un an et demi. Et aujourd'hui, voilà, malheureusement je crois qu'il il a été impacté comme tout le monde par la crise sanitaire et donc du coup n'a pas pu être déployé plus pour l'instant. Mais cela dit, ça reste quand même un logiciel qui est très utilisé. On en est en moyenne à un demi-million d'étiquettes par an et on a passé le cap du million d'étiquettes courant l'été 2019.